frères et sœurs et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 20h33 heure locale. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, Père notre Dieu. Seigneur, conduis-nous. Nous voulons, Seigneur, ce soir euh, échanger avec nos frères et sœurs, partager ta parole. Que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle, Seigneur, de cette émission. Sois l'alpha, l'oméga. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père. Amen. Voilà mes amis, bienvenue dans votre émission. C'est un plaisir pour moi de vous avoir ce soir avec moi pour partager l'évangile sur notre maître Yeshua à Mashiach. Voilà donc nous allons ce soir euh, voir le témoignage que le prophète Malachi a rendu sur Jésus-Christ de Nazareth. Hier on a parlé du témoignage de Zacharie sur le Seigneur Yeshua. Vous avez vu que Zacharie a rendu avec beaucoup de force le témoignage sur notre Dieu. Il nous a parlé de Yahweh qui devait être vendu à 30 pièces d'argent, que Yahweh, devait être, Yahweh allait être, comment dire, percé. Et on a compris que ce Yahweh n'est autre que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, donc Jésus-Christ. Et ces enseignements. Nous allons beaucoup les partager. On va beaucoup parler sur le témoignage des prophètes. Et ensuite, il y aura le témoignage de Moïse, le témoignage également des psaumes, des proverbes, sur Jésus Christ de Nazareth. Et euh, nous voulons recevoir le témoignage de Dieu directement plutôt que le témoignage des théologiens qui remettent en cause, en question, la divinité de Jésus Christ de Nazareth. Voilà, donc nous sommes dans Malachie. Euh, on va lire à partir du verset premier. La prophétie de la parole de Yahweh contre Israël par le moyen de Malachi. Alors, Malachi veut dire bien sûr euh, euh, messager tout simplement ou ange. Et Dieu va susciter ce, ce prophète. Il va le susciter à une, une époque où il y avait l'apostasie, où les Juifs avaient perdu leur, euh, leur, euh, leur espoir. Et euh, parce que le temple de Jérusalem a été détruit, parce que ce, ce peuple était euh, amené en captivité à Babylone. Et euh, donc, il y avait vraiment l'apostasie et Dieu va, des années après, il va susciter ce prophète, donc euh, le prophète de, euh, n'est-ce pas, euh, de l'exil. Et il va sortir avec euh, le prophète Zacharie, tout ça, euh, de l'exil par la prophétie, hein, par leur prophétie. Avec leur prophétie, Zacharie et Malachi vont énormément encourager le peuple euh, d'Israël. Notamment euh, le peuple était encouragé par leur prophétie pour rebâtir le temple. Dieu dit Je vous ai aimé, dit Yahweh, et vous dites En quoi nous as tu aimés? Esaü n'était il pas frère de Jacob, dit Yahweh. Or j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaü et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage au chacal du désert. Et, euh, et Edom dit Nous sommes détruits, nous rebâtirons les lieux ruinés. Ainsi parle Yahweh des armées ils rebâtiront, mais je détruirai, et on les appellera pays, pays de méchanceté et le peuple contre lequel Yahweh est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz Yahweh se magnifie sur ceux qui sont aux frontières d'Israël. Et ensuite, il dit au verset 6 Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? dit Yahweh des armées, à vous, prêtres, qui méprisez mon nom, et qui dites En quoi avons nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel mon hein, du pain souillé, et vous dites En quoi t'avons nous profané? C'est en disant La table de Yahweh, hein, la table de Yahweh est méprisable. Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, n'y a-t-il point de mal en cela Quand vous en offrez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal Offre-la à ton gouverneur. T'agréera-t-il Te recevra-t-il favorablement Dit Yahweh des armées. Et maintenant donc, suppliez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il favorablement Dit Yahweh des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit Yahweh des armées, et je n'agrée pas l'offrande de vos mains. Car depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et des offrandes pures, car mon nom est grand parmi les nations, dit Yahweh des armées. Mais vous vous le profanez en disant, la table de Yahweh est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites aussi, quelle fatigue, et vous soufflez dessus, dit Yahweh des armées. Vous amenez ce qui est dérobé, ce qui est boiteux et malade. Ce sont là les offrandes que vous faites. Accepterai-je cela de vos mains, dit Yahweh. C'est pourquoi maudit soit l'homme trompeur qui a dans son troupeau un mal et qui vous et sacrifie un, un, qui, à Yahweh ce qui est corrompu. Car je suis le grand roi, dit Yahweh des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voilà, donc Dieu dit clairement qu'il est le grand roi. Et nous savons qu'il n'y a pas deux grands rois, hein, donc il n'y en a qu'un, et c'est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le, le, le chapitre 2, Malachie continue à libérer son message à son peuple. Or, maintenant, c'est à vous, prêtres. Que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas et si vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même, je les ai maudites parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je répandrai les excréments de vos victimes sur vos visages, les excréments, dis-je, de vos fêtes, et on vous emportera avec eux. Alors vous saurez que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit Yahweh des armées. Mon alliance avec lui était la vie et la paix. C'est ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et il ne s'est point trouvé de perversité sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il en a détourné beaucoup de l'iniquité. Car les lèvres du prêtre doivent garder la science, et c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de Yahweh des armées. Mais vous, vous vous êtes retiré de ce chemin, vous avez fait trébucher plusieurs à l'égard de la loi, et vous avez corrompu l'alliance de Lévi, a dit Yahweh des armées. C'est pourquoi je vous ai rendu méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix et vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous enseignez la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père N'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Donc ici déjà, Malachi est en train de dire à son peuple que le seul Père que les Juifs avaient, c'était leur Dieu. Donc un seul Père et un seul Dieu. Donc les écritures hébraïques sont catégoriques. On n'a pas parlé de trois dieux, on n'a pas parlé de deux dieux, on a parlé d'un seul Père, d'un seul Dieu. Pourquoi donc agissons-nous avec perfidie l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à Yahweh, ce qu'il aime. Il s'est marié à la fille d'un dieu étranger. Donc, Malachi, ici, est en train de reprendre, bien sûr, son peuple. Il était envoyé par le Seigneur, comme vous le savez, et il va toucher, n'est-ce pas? Euh, le fond du problème il va révéler le fond du problème en fait il est question ici n'est ce pas d'une alliance entre Judas et la fille d'un dieu étranger voilà donc il est question ici hein, de la compromission il est question ici de l'idolâtrie et euh, du culte païen hein, un mélange un mélange euh, de la loi la loi divine la loi de Dieu avec euh, euh, n'est-ce pas, un culte babylonien, un culte cananéen. Et euh, Yahweh retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à Yahweh des armées. Voici une autre chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de Yahweh des larmes, de plaintes et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi c'est parce que Yahweh est intervenu comme témoin entre toi et la femme de ta jeunesse contre laquelle tu agis avec tromperie. Mais toutefois, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Et donc, ici, bien sûr, le Seigneur est en train de rappeler aux Juifs leur adultère. Or, il n'en est pas, il n'en a fait qu'un. Et néanmoins, il y a, il y avait en lui abondance d'esprit. Mais pourquoi n'en a-t-il fait qu'un? C'est parce qu'il cherchait une postérité de Dieu. Gardez-vous donc dans votre esprit et quant à la femme de ta jeunesse, prenez garde qu'on agisse avec tromperie avec elle. Car Yahweh, le Dieu d'Israël, a dit qu'il est la répudiation. Dieu est contre le divorce et ça vous le savez déjà mes amis, on le, on, vous le savez. Mais on couvre la violence sous, n'est-ce hein, pas, on couvre la violence sous sa robe, a dit Yahweh des armées. Gardez-vous donc dans votre esprit et n'agissez point en perfide. Vous fatiguez Yahweh par vos paroles et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué C'est quand vous dites quiconque fait le mal plaît à Yahweh et il prend plaisir à de tels gens. Autrement, où est le Dieu du jugement? Et c'est vrai qu'en ce moment, on se pose des questions, beaucoup de chrétiens se posent des questions, mais où est le Dieu véritable? Pourquoi Dieu permet autant de souffrances, autant de problèmes et autant de perfidies, autant de, 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 de mensonges, de faux prophètes, tout ça, et de pasteurs impudiques, voleurs. Pourquoi Dieu permet autant de guerres et de souffrances dans, dans le monde Eh bien, Dieu agira en son temps. C'est parce qu'il a arrêté un jour où il va intervenir ouvertement dans les, dans les affaires humaines. Ça, les prophètes nous l'ont annoncé. Mais nous voulons, au travail de cette lecture ce soir, mes amis, ne vous inquiétez pas faire, nous voulons faire ressortir le message central, c'est-à-dire Christ. Et dans le chapitre 3, Dieu dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Attendez. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle ici. Il dit qu'il va envoyer son messager. Son ange et quelle va être la mission de ce messager, c'est celle de préparer le chemin de Yahweh. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez, n'est-ce pas Voici, il vient dit Yahweh des armées. Donc déjà dans ce passage-là, le chapitre premier, le message devient encore plus intéressant parce que le peuple se retrouve dans la confusion le peuple juif se retrouve mes amis sur une terre étrangère et il s'apprêtait bien sûr à, à, à il était de retour plutôt je dirais après après 70 ans d'exil et il se retrouve à Jérusalem euh, euh, sur une terre en désolation le temple détruit les murailles détruites et euh, la maison de Yahweh abandonnée complètement détruite et abandonnée chacun s'occupait de sa maison et Dieu dit justement Dieu dit qu'il est temps, il est temps maintenant de se lever et d'offrir des sacrifices qui m'honorent. Et il dit ici que le peuple cherchait, le cherchait, le peuple disait mais où est le Dieu du jugement? Où est le Dieu qui est appelé, qui est amené, qui, qui, est, qui est juste, le Dieu juste qui doit justement rendre justice. Parce que les sacrificateurs font n'importe quoi, les prêtres font n'importe quoi, les dirigeants font n'importe quoi. Et c'est comme si Dieu n'intervenait pas. Et Dieu dit, avant son intervention, il allait envoyer, il enverra, n'est-ce pas, qu'il enverrait son messager. Pour quel, pour, pour faire quoi Eh bien, pour préparer son chemin. Voilà. Et soudain, en un clin d'œil, vous voyez, hein Soudain, en un clin d'œil, Dieu va rentrer, n'est-ce pas, va entrer dans son temple. Et, il est appelé, comment aussi Dieu ici? Il est appelé aussi l'ange de l'Alliance. Ou le messager de l'Alliance. Vous vous rendez compte, mes amis? Yahweh se, n'est-ce pas, définit lui-même comme l'ange de l'Alliance. Comme le messager de l'Alliance. Que les Juifs désiraient voir. Et Malachie dit, voici, il vient. Dit Yahweh des armées. Donc, celui qui vient, c'est Yeshua. Donc, Yeshua est Yahweh. Voilà. Et au verset deux, on nous dit, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur le, verset, le chapitre verset, verset, verset le chapitre trois verset un, mais allons voir chapitre trois verset deux. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui pourra subsister quand il paraîtra Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse de foulon. Voyez. Et il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il nettoyera les fils de Lévi et les épurera comme l'or et l'argent. Et ils présenteront à Yahweh des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à Yahweh comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. voyez Et euh, c'est terrible. Donc on repart sur le verset, le verset, le verset premier du chapitre 3. Dieu dit qu'il allait envoyer un messager pour préparer son chemin. Il dit bien, hein, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Donc celui qui doit venir, c'est Dieu lui-même, c'est Yahweh lui-même. Et allons voir dans Esaïe 40. Ésaïe 40, merci. Nous allons lire à partir du verset. Euh Premier, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez à Jérusalem selon son cœur et criez lui que son temps marqué est accompli, que son iniquité est tenue pour acquitter, qu'elle a reçu de la main de Yahweh le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie au désert est, préparez le chemin de Yahweh. Donc on voit bien que ce passage est, n'est-ce pas, similaire à celui que nous venons de lire hein, dans Malachi 3.1. Il est question ici de préparer le chemin de Yahweh. Aplanissez parmi les lieux arides un chemin pour notre Dieu. Donc Yahweh, qui est Dieu, devait être, n'est-ce pas, précédé par quelqu'un qui, qui avait la mission de préparer son chemin. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et les lieux tortueux seront redressés, et les lieux raboteux seront aplanis. Alors la gloire de Yahweh sera manifestée, et toute chair, en même temps, la verra. Car la bouche de Yahweh a parlé. Donc là on voit bien que il est dit que la gloire de Yahweh sera manifestée, et toute chair en même temps la verra. Toute chair la verra, car la bouche de Yahweh a parlé. Ce passage correspond à Apocalypse, chapitre 1 au verset 7, où il est dit que voici, il vient hein, avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. On voit bien que ce passage est n'est-ce pas similaire à ce passage-là. N'est-ce pas? Donc c'est la même chose. Toute chair, tout œil. À même temps, on n'a pas dit de, mani de manière simultanée. Comment dire euh, euh, On a dit en même temps. Donc pas euh, un an euh, après les autres. Non, 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 c'est c'est en même temps. Tous les habitants de la terre verront Dieu quand il reviendra. À hein, même temps. À même temps. Voilà. Donc euh, et euh, et car la bouche de Yahweh a parlé. Donc on voit bien ici que quelqu'un devait venir pour préparer le chemin de Yahweh. Et nous sommes justement dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Donc, euh, la quinzième année du règne Tibère, hein, de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, Tétrarque de la Galilée et son frère Philippe, Tétrarque de l'Iturée, et du territoire de la Trachonite. Et Lysanias, tétrarque de Labilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu vint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, comme il est écrit dans le livre des Paroles d'Esaïe, le prophète disant :« C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin. » Du Seigneur, en fait ici, et euh, le mot Seigneur, comme nous sommes dans les écrits de la de la, des écrits, et, euh, grecs, donc Seigneur, curios, est l'équivalent, n'est-ce pas, de euh, Yahweh. En fait, on sait que Adonai c'est le, c'est le traduit par Seigneur en français. Et euh, mais en même temps ici, dans le passage ici là, Seigneur, en fait, on a remplacé euh, Yahweh par Seigneur. Voilà. Donc, en fait, ici, on nous dit que Jean avait la mission de préparer la, le, le chemin du Seigneur ou de Yahweh. Tout simplement. Toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissées et ce qui est tortueux sera redressé et le chemin raboteux seront aplané. Et toute chair, ah, et toute chair verra le salut de Dieu. Alors, dans les on disait que euh, toute chair verra la gloire de Dieu. Vous voyez, ici, euh, on a donné, euh, on a, on a, il y a un détail que n'a pas, dont Isaïe n'a pas parlé. Donc, il est question de du salut. Donc, le mot salut, on sait qui c'est le, c'est hein, en fait. Donc, là, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on comprend ici ben, on comprend tout simplement que Yahweh, n'est-ce pas, qui devait être, euh, euh, qui devrait être précédé par un messager, un ange, un messager, pour préparer son chemin. Ce Yahweh là n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, mes amis. Donc, on ne va pas chercher encore d'autres dieux. On a besoin, nous chrétiens, nous avons besoin de découvrir, de rencontrer le véritable Dieu, celui qui nous a aimés, celui qui nous aime, qui nous aimera, celui qui nous sauve. Donc Jean est vraiment ce messager-là. Et, euh, et nous sommes dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1. Voilà. Donc. Euh, et, euh, et là, on voit pareil. Hein, donc, euh, dans Marc, chapitre 1 euh, au verset, euh, et euh, à partir du verset premier, le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans les prophètes, dans les prophètes. Donc, on voit bien qu'il est les prophètes, c'est au pluriel ici. Donc, il est question des années 40 et de Malachie 3, Malachie 4 également. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ta voix devant toi. La voix de celui qui crie dans le désert est. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est Jean-Baptiste qui est venu pour préparer le chemin de Yahweh. Pareil, ici, Seigneur, en fait, c'est Yahweh. Voilà. C'est pas Adonai. On sait que Adonai veut dire Seigneur, mais en fait, les écrits de la, euh, de, 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 de la Nouvelle Alliance et les écrits des quatre Évangiles, c'est-à-dire les écrits grecs, ont remplacé Yahweh par Curios, Seigneur. Voilà. Donc, il est question de préparer le chemin de Yahweh, notre Dieu, notre Maître, notre Créateur, notre Yahweh, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jean qui a été envoyé, Jean-Baptiste. Nous sommes dans Malachie, chapitre 4. Donc, on voit bien que Malachie annonçait clairement que Yahweh allait venir. Et qu'est-ce qu'on est, on est lit ici, là ?« Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous les méchants seront comme du chaume. Et ce jour qui vient les embrasera. » dit Yahweh des armées il ne leur laissera ni racines ni rameaux voilà mais pour vous qui craignez mon nom se le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous, vos, sous la plante de vos pieds au jour où je ferai mon œuvre. dit Yahweh des armées voilà donc ensuite on descend au verset 5 voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de Yahweh vienne. Je vous enverrai Élie. Effectivement, le messager qui devait venir, c'était Élie. Et Élie en question, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Et nous sommes dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Voilà. On va descendre un peu. On va descendre encore. Alors, euh, et euh, donc, on voit bien que ce messager... Et euh, on va lire à partir du verset. Euh, et euh, donc, euh, voilà. On va lire à partir du verset 10 là-bas. Là. Voilà, à partir du verset euh, 7, pardon. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Et qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Vous voyez, donc le Seigneur Jésus Christ confirme que c'était Jean-Baptiste qui était celui qui devait préparer son chemin. Jésus-Christ lui-même est Yahweh. Et lui-même Yahweh, non Yeshua, Jésus-Christ, a envoyé Jean-Baptiste. Et Jean l'a dit dans Jean 1. Il a dit que Jésus l'a précédé. Vous voyez Jésus l'a précédé. Et c'est terrible. On va descendre encore un peu là. Et tous euh, on va descendre encore. On va descendre. Et euh, voilà. Donc... Euh, voilà, donc c'est On remonte, je cherche un passage là quelque part. On remonte encore. Voilà. Et alors, on s'arrête là. Alors, et au euh, verset 13, verset 12, il dit: Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir mes paroles, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc Jésus confirme encore bel et bien que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir pour préparer son chemin. Et il a dit quoi au verset 15 que celui qui a des oreilles pour entendre, pour entendre, entende. Voilà. Donc c'est clair. Donc le Seigneur est catégorique. C'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth qui a envoyé Jean-Baptiste pour préparer son chemin devant lui. Donc Jésus-Christ est vraiment Yahweh. Donc vous voyez bien que Malachi a prophétisé que Yahweh était l'ange, Yahweh est l'ange de l'Alliance. Qu'est-ce que le Seigneur Yeshua est venu faire? Il est venu inaugurer. Hein? On va aller voir rapidement dans Malachie. On va voir ça, Malachie 3. Voilà, Malachie 3. Et euh, Voilà, regardez bien. Hein? Qu'est-ce qu'on lit là, le verset premier. Voici, j'enverrai mon messager. Donc Jean-Baptiste était le messager de Jésus-Christ. Il préparera le chemin devant moi. Donc, vous voyez bien que c'est. Yahweh s'inclut dedans. C'est pas comme il n'a pas dit il va préparer le chemin devant mon fils. Il dit devant lui-même. Donc Jésus-Christ est vraiment Yahweh. Et c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc vous voyez bien que le temple appartient à qui À Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est écrit dans 1, Timothée, 1, 1 Corinthiens 3:16 et 1 Corinthiens 6:19. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Esprit, il est Dieu, Dieu est Esprit. Donc son temple, c'est le temple de Jésus. Et le, il a dit dans, dans Jean, il a dit détruire ce temple et en trois jours je le rebâtirai. Vous voyez bien que il a dit je bâtirai mon église, mon église et l'église et le temple de Dieu. Vous voyez bien que euh, ici là c'est la parole confirme encore que Jésus-Christ est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, mes amis. Voilà gloire à Dieu. Et il dit quoi Et, et, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici il vient dit Yahweh des armées, l'ange de l'alliance. Allons voir cet ange de l'alliance, justement, dans le livre de Luc. Hein? Luc chapitre 20, 23. Là où il prend la scène, on va descendre. Alléluia, voilà, gloire à Dieu. Et euh, Luc 22, pardon. On va, voilà, encore. On va, voilà, encore, encore. Encore Voilà. Qu'est-ce que... On remonte encore, on remonte encore. Voilà. Donc, euh, et euh, au verset 13. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils apprêtèrent l'agneau de Pâques. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les douze apôtres avec lui. Il se mit à table et les douze apôtres avec lui. Et il leur dit... J'ai désiré vivement manger cet agneau de Pâques avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, au verset 20, de même aussi, il prit la coupe après le souper. Et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Donc vous voyez bien que ce passage confirme, n'est-ce hein, pas, Malachie 3, où il est question de Yahweh qui est l'ange de l'Alliance. Et qui est cet ange de l'Alliance? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il est venu inaugurer la nouvelle alliance. Vous Voyez? C'est terrible, hein, mes amis. Donc vous voyez bien que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est vraiment Yahweh. D'ailleurs, avant même de vous donner tous ces passages-là, tous ces versets. Arrêtons-nous simplement sur la signification du nom de Jésus. Jésus veut dire Yahweh et salut. Donc, vous voyez bien que Yeshua et bel et bien Yahweh. Voilà, le Dieu Tout-Puissant. Voilà, c'était juste une exhortation pour vous encourager à craindre Dieu, à aimer Jésus-Christ et surtout pour vous présenter le Dieu Véritable. Car nous sommes pratiquement à minuit. Yeshua revient. Nous croyons que l'enlèvement de l'église peut avoir lieu d'une seconde à l'autre parce que les temps sont compliqués. Le monde va mal. Il y a la confusion, la confusion partout. Et comme vous le savez, l'évangile a déjà atteint les extrémités de la terre. Hein, les extrémités de la terre parce qu'avec l'avènement avec du, du, du net, hein, aujourd'hui, pratiquement, beaucoup sont connectés. Et je sais qu'il y a des coins où l'évangile n'est pas encore arrivé, mais globalement, euh, euh, l'évangile a déjà atteint pratiquement les, quatre, les, les, les cinq continents. Voilà. Et il faut continuer, bien sûr, à évangéliser parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore entendu la parole. Mais, mes amis, nous croyons simplement que, au vu de ce qui se passe dans le monde, au vu des troubles qu'il y a, des guerres, des troubles. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup de troubles actuellement au Congo RDC donc, euh, et dans d'autres pays. Et prions pour ces nations. Au nom de Yeshua, hein, tel que la Syrie, nous croyons que le Seigneur revient. Et il est plus que urgent que des chrétiens connaissent, découvrent le Dieu véritable. Avec ses enseignements sur la Trinité, ses enseignements sur euh, Jésus-Christ qui ne serait pas, hein, qui n'est pas Dieu selon certains, mais qui n'est pas, euh, mes amis, euh, le Père selon d'autres, et ces enseignements erronés, il est plus que urgent, plus qu'important que les chrétiens découvrent leur Dieu, notre Dieu véritable. Il est Père, Fils et Saint Esprit. Dieu est Esprit et il est indivisible. Et Dieu n'est pas une personne, il est plus qu'une personne. Dieu parle Dieu, soutient Dieu se glorifie et ce Dieu selon 1 Timothée 3:16 est descendu sur terre, il s'est manifesté en chair. Que Dieu se souvienne de chacun de vous mes amis, soyez fortifiés, encouragés, que Dieu bénisse vos familles au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Amen. À bientôt.